I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour ou bonsoir, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale aujourd'hui, je suis désolé, j'ai presque plus de voix. Mon nom est Jonathan Drapeau, je suis en co-animation avec mon ami d'enfance, Benoît Laferrère, et Kéine Astradaben. Comment ça va mon Ben? Ça va très bien, pourquoi déjà t'as pas de voix à matin là? Écoute, le 8 avril dernier était le premier gala de la QCW Wrestling au complexe de Glaçon-Co, situé au 275 Avenue Taniata à Lévis. C'était une sale con, mais j'ai fait mon retour, en fait, en hot show Josh Ryan. Et j'ai affronté nul autre que Rush. Et j'ai remporté mon combat face à Rush, qui m'en a mis plein la gueule avec son partner, Matt Dog, qui a essayé de tricher à plusieurs reprises. Mais j'ai réussi à sortir un as de ma poche et puis de remporter le combat. Donc, c'était vraiment cool. Une super de belle soirée. Endiablé. Et puis, c'est un rendez-vous pour tous. Le mois prochain, donc le 13 mai prochain, au complexe de Glaçon-Co, les billets sont en vente sur le pointdevente.com. Mais aujourd'hui, Benoît, on n'est pas ici pour jaser de lutte, on est ici pour jaser de musique. Et puis, qu'est-ce que tu voulais jaser aujourd'hui, mon ami? Ouais, ben, comme tu as dit au début, c'est le spécial Whitney Houston qui figure parmi l'une des plus grandes voix, l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps. Tout à fait. La défunte Whitney Houston, qui est décédée, dans le fond, en 2012 à Beverly Hills, en Californie. Et puis, dans le fond, elle, elle est née, dans le fond, en 1963 à Newark, au New Jersey, et à ne pas confondre avec New York, ça se ressemble un petit peu. Oh, et puis, dans le fond, le 9 août 1963, qui est sa date de naissance, en fait. Whitney Elizabeth Houston, son père, est un ancien militaire et administrateur de la ville de Newark, nommé John Russell Houston Jr., et sa mère est la chanteuse de gospel Emily Cizzi, Drinkard Houston. Son grand-père, Michael, est un auteur... Son grand frère Michael est un auteur-compositeur et son demi-frère aîné est l'ancien joueur de basketball et chanteur Gary Garland. Ses parents, c'était des Afro-Américains et on dit qu'il avait des antécédents hollandais et amérindiens. Par sa mère, Mrs. Houston était une cousine germaine des chanteuses Dionne Warwick et Didi Warwick. Puis dans le fond, sa marraine de cœur était la grande et regrettée Aretha Franklin, qui fut en janvier 1987 la première femme à intégrer le Rock and Roll Hall of Fame. Oui, enchaînons sur 1967. Après les émeutes raciales de Newark qui se sont produites entre le 12 et le 17 juillet 1967, la famille Houston a fait le move, c'est-à-dire a déménagé dans un quartier de classe moyenne à East Orange, dans le New Jersey, quand elle avait seulement 4 ans, parce qu'elle est née en 63, comme on l'a mentionné. En 1974, à l'âge de genre 11 ans, elle avait 11 ans, lorsqu'elle a commencé à se produire en tant que soliste dans la chorale gospel junior de la New Hope Baptist Church de Newark, endroit où elle a aussi appris et commencé à jouer du piano. Yes, puis 3 ans après, dans le fond, en 77, ouais. Même, elle avait seulement 14 ans, puis Whitney Houston est devenue choriste sur le single Life's a Party du groupe Michael Zager Band. Puis en 2 ans plus tard, dans le fond, 79-80, là, dans ces alentours-là, à l'âge de environ 16 ans, elle a commencé à chanter des chœurs pour deux vedettes de l'époque, Chaka Khan et Lou Rawls.
Ouais, c'est ça. 1983, le producteur de musique Clive Davis d'Arista Records remarque la jeune Whitney alors qu'elle se produit dans un club new-yorkais. Il lui fait signer un contrat et ça prendra 2 ans de travail et d'effort avant qu'elle sorte son premier album, mesdames et messieurs. Oui, puis dans le fond, son premier album intitulé Whitney Houston, il est sorti le 14 février, donc la journée de la Saint-Valentin. En 1985, on avait 1 an. Et puis l'album a d'abord eu une réponse commerciale assez lente, mais les ventes ont vraiment commencé à découler durant l'été de 85. Cet album inaugural de Whitney Houston a finalement dépassé le Billboard 200 pendant 14 semaines l'année suivante, générant 3 singles numéro 1, Saving All My Love For You, Come On Will I Know, and The Greatest Love Of All, une reprise de The Greatest All Love of All, excusez-moi, enregistré au départ en 1977 par George Benson sur le Billboard Hot 100 graphique, ce qui en fait à la fois le premier album et le premier album d'une artiste solo féminine à produire 3 singles numéro 1 dans le fond. Enchaînons sur l'année 1986, plus précisément le 25 août. Ça, c'est la date où elle a fait son premier concert au Québec, dans la métropole québécoise, au Forum de Montréal, parce qu'à l'époque, c'était pas le Centre Bell, c'était le Forum de Montréal. C'est ça. C'est ça, exactement. Puis, dans le fond, le 2 juin 1987, elle a sorti son album Whitney. En question, présente 5 hits du top 10 du US Billboard Hot 100, qui sont également devenus des succès mondiaux. Les 4 premiers singles de l'album, I Wanna Dance With Somebody, Who Loves Me, dans le fond, c'est... Oui, la fameuse tune qui l'a mis à exact. Didn't We Almost Have It All, So Emotional, et Where Do Broken Hearts Go. Et tous culminés au premier rang du Billboard US Hot 100, ce qui fait de Whitney Houston la première chanteuse féminine à obtenir 4 succès numéro 1 et sur un seul album. 1987, le 28 août, elle s'est produite pour la seconde et dernière fois à Montréal, toujours au Forum, parce qu'elle n'a pas été au Stade olympique, hein, c'était vraiment le Forum. Quand elle venait dans la métropole montréalaise du Québec, c'était au Forum de Montréal. 1988, lors de la 30e cérémonie des Grammy Awards, Houston a été nominée pour trois prix, c'est ça, dont celui de l'album de l'année. Elle a remporté son 2e Grammy pour la meilleure performance vocale pop féminine pour I Wanna Dance With Somebody ou Loves Me. Houston a également remporté 2 American Awards en 1988 et 89, respectivement, et un Soul Train Music Award. Puis le 11 juin 1988, pendant la partie européenne de sa tournée, Houston a rejoint d'autres artistes pour jouer au show au stade de Wembley à Londres. Tu sais, le fameux stade de Wembley que la AEW va faire leur événement. Non, mais c'est pas le même. Ça, c'est le stade de SummerSlam 92, mais le nouveau stade, là, ça va être AEW. Pour l'occasion du 70e anniversaire de Nelson Mandela, alors emprisonné depuis 1972, plus... 72, hein? 62, excusez-moi, bon, plus de 72 000 personnes ont assisté au stade de Wembley et plus d'1 milliard de personnes se sont connectées dans le monde entier devant leur téléviseur, alors que le concert de rock a récolté plus de 1 million de dollars pour des œuvres de bienfaisance, tout en sensibilisant à cette cause. Il faut ajouter aussi ici que, dans le fond, Whitney Houston était une grande partisane de Nelson Mandela et du mouvement anti-apartheid. Pendant sa carrière de mannequin, elle ne voulait pas travailler avec des agences qui faisaient des affaires avec l'Afrique du Sud de l'époque. Donc, est-ce que tu veux nous parler de 1989? Oui, bien sûr. C'est la date de la fondation de la Whitney Houston Foundation for Children, mesdames et messieurs. Yes. Ce qui consiste à être une organisation à but non lucratif qui a pour objectif de collecter des fonds pour les besoins des enfants du monde entier. L'organisation s'occupe notamment des sans-abri, des enfants atteints du cancer ou du sida et d'autres problèmes du même genre. Puis, dans le fond, le 27 janvier 1991, Whitney Houston a interprété The Star Spangled Banner, l'hymne national américain au Super Bowl 25 au stade de Tampa, match impliquant les Bills de Buffalo et les Giants de New York. Ce match est connu pour la tentative de placement ratée
de dernière seconde du botteur de placement des Bills, Scott Norwood. Ah, ça l'a suivi toute sa carrière. Ça. Ah ouais, okay, ça, c'est comme l'erreur de Bill Buckner en 86 qui a échappé un roulant. Il joue pour les Red Sox contre les Mets. Shit. Puis, ouais. Dans le fond, le 18 juin 1992, c'était la date de mariage de Whitney Houston avec Bobby Brown. Les problèmes conjugaux du couple ont fait la une durant de nombreuses années. Ah, ça, on le sait. Hein. Ouais, elle prenait de la drogue et elle battait. En tout cas, c'est... Ouais, fille à problème. Hein. Ça fait penser un peu à... comment elle s'appelait déjà? Pas Janis Joplin, mais l'autre, là. Amy Winehouse? Non, Criff, la grande chanteuse, là. En tout cas, ça va m'en revenir. Il n'y a pas de problème. 25 novembre 1992, sortie en salle par Warner Bros. Du film The Bodyguard, où elle tient la vedette aux côtés de Kevin Costner. La chanson fétiche du film est la reprise des 70 de Dolly Parton, I Will Always Love You. Ça, je ne me rappelais pas que c'était une reprise. Non, mais en plus, je me souvenais pas. Mais oui, tu vas voir ça sur Internet, sur YouTube. Yes. Puis c'est vraiment Dolly Parton qui l'a composé. Et puis, le 4 mars 1993, Whitney Houston et son époux sont devenus les parents de la petite Bobby Christina Brown, qui est l'unique enfant du couple, qui est né le 4 mars 1993, puis est décédé en 2015, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et puis, Houston a révélé dans une interview plus tard dans l'année avec Barbara Walters qu'elle avait fait une fausse couche pendant le tournage de The Bodyguard. 1995, sortie du film « Waiting to Exile ». Dans ce film, elle joue le rôle de Savannah Jackson, qui est une productrice de télévision à succès qui, après quelques relations ratées, décide de déménager à Denver, Colorado, Phoenix, en Arizona. La trame sonore du film est certifiée 7 fois platine aux États-Unis. C'est fou, ça, Valérie. Ouais, c'est assez débile. Yes. Puis en 96, dans le fond, Whitney Houston a joué dans la comédie The Preacher's Wife, mettant également en vedette Denzel Washington. Elle joue l'épouse d'un pasteur qui chante du gospel. 1997, diffusion du téléfilm Cendrillon, dans lequel elle joue le rôle de la marraine de la princesse en question, mesdames et messieurs. En 98, plus précisément en novembre, elle a sorti l'album My Love Is Your Love. Et puis, il s'est vendu en 10 millions d'exemplaires à travers la planète. Janvier 2000, elle s'est fait arrêter aux douanes de l'aéroport d'Hawaï avec son mari Bobby Brown pour possession de marijuana. Mais elle a quitté les lieux avant que les autorités ne puissent arriver. Les accusations retenues contre elle et son mari ont par la suite été abandonnées. Puis en mai 2020, dans le fond, Ben... 2000, excusez-moi, les ventes de l'album de Whitney Houston s'est vendu en plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est incroyable, hein? C'est fou pareil. Décembre 2002, le 5e album studio de Houston, Just Whitney, se vend à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde et a aussi obtenu la certification Platinum aux États-Unis et en Suisse et Gold in France au Brésil et dans d'autres pays. Ici, je voudrais juste faire une petite parenthèse, mais tu sais, souvent, on entend parler de Mariah Carey qui fait des albums de Noël, tout ça, tu sais. Puis, il y a pas juste Mariah Carey qui a sorti des albums de Noël, mais il y a aussi Whitney Houston qui a sorti un album de Noël, dans le fond, en novembre 2003, qui s'appelle One Wish, The Holiday Album. Puis, c'est un album du temps des fêtes de la chanteuse, puis ça a été certifié or aux États-Unis. La série télé-réalité Being Bobby Brown voit le jour et elle a présenté la chanteuse dans des moments peu flatteurs. Puis tu sais, on a parlé que Whitney Houston a eu des controverses pendant des années, puis tout ça, avec des troubles de problèmes. Puis en septembre 2006, elle s'est séparée de son ancien mari Bobby Brown, puis elle a demandé le divorce en octobre. Puis en février 2007, Whitney Houston a demandé au tribunal de faire accélérer sa demande de divorce. Puis... 24 avril 2007, le divorce a été officiellement prononcé et Houston a obtenu la garde de sa fille Bobby Christina. Yes. Ensuite de ça, 2 ans plus tard, il y a eu la sortie de I Look to You qui fut certifiée une fois de plus platine aux États-Unis. Excusez-moi, je perds la voix. C'est pas grave. Et puis. Le 11 février 2012, c'est la journée fatidique. Ça a été la consternation dans le monde. Eh bien, Whitney Houston est retrouvée sans connaissance dans la suite 434 du Beverly Hilton Hotel, immergée dans la baignoire. Les ambulanciers paramédicaux de Beverly Hills sont arrivés sur place vers 15h30 et ont trouvé. La malheureuse chanteuse inconsciente. Ils ont effectué leur CPR, mais sans succès. Le triste décès de la célèbre chanteuse Whitney Houston fut constaté à 15h15, heure du Pacifique.
La cause de la mort n'avait pas été connue à ce moment-là. La police locale a dit qu'il n'y avait aucun signe évident d'acte criminel. Puis le 18 février 2012, un service commémoratif sur invitation seulement a eu lieu à l'église baptiste New Hope de Newark, qui se trouve à être sa ville natale, New Jersey. Bien sûr. Le service devait initialement durer environ 2 heures, mais en tout, finalement, ça a duré un gros 4 heures. Oh, ouais, bien sûr. Puis parmi les artistes qui se sont produits aux funérailles, ben il y a Stevie Wonder qui a fait la version de Ribbon in the Sky. Et Love's in Need of Love Today. Cici Winans qui a fait Don't Cry and Jesus Love Me. Alicia Keys qui a interprété Send Me an Angel. Kim Burrell qui a interprété une version réécrite de R. Kelly, Je regarde vers toi. Les performances étaient entrecoupées d'hymnes de chorale, j'imagine gospel d'église, là, style, là, et de remarques de Clive Davis, le producteur de disques de Houston. Kevin Costner, Ricky Miner, son directeur musical, sa cousine, Dionne Warwick et Ray Watson, son garde du corps depuis 12 ans. 11 ans, excusez-moi, était aussi présent. Et puis, bien sûr, il y avait la grande Aretha Franklin, était inscrite au programme et devait chanter. Mais finalement, elle n'a pas pu se présenter au service pour probablement des... Peut-être des problèmes de médicaments. Oui, mais il y a une raison pour ce point. Le 22 mars 2012, la cause officielle de la mort de la chanteuse Whitney Houston a été dévoilée. Il s'agirait finalement d'une noyade accidentelle, selon ce qu'a confirmé le bureau du coroner de Los Angeles. La chanteuse âgée de 48 ans avait également des traces de drogue dans le corps, notamment de la cocaïne, marijuana, Xanax, Benadryl et d'autres médications. Ça me rend l'éléphant, ça? Oui, c'est sûr. Si elle devait peser à peu près 90 livres mouillés ici. Ouais, t'es pas grosse. Ah, ouais, t'es pas grosse, c'est sûr, ça l'a sonné comme une roche. Là. Selon une enquête, d'autres facteurs auraient aussi entraîné la mort, incluant un problème cardiaque et une consommation de cocaïne. Ben, c'est sûr, c'est... Et puis, selon une enquête, d'autres facteurs, c'est ça. Puis le coroner en chef, Greg Harvey, a confus qu'il y avait de l'eau dans ses poumons, ce qui nous indique qu'elle était en vie lorsqu'elle a été submergée. Selon nos tests, la quantité de cocaïne n'était pas nécessairement à un niveau mortel, mais son décès a été compliqué par une consommation chronique de cocaïne et un problème au cœur. Probablement qu'elle avait des problèmes cardiaques, mais elle ne tenait pas compte de ça, puis paf, à un moment donné, ça l'a éclaté. Ça se peut, tu sais. Puis l'assistant du coroner en chef, Ed Winter, a confié qu'il y avait possiblement 2 scénarios qui auraient mené au décès de Mme Houston. Selon le premier scénario, dans le fond, elle aurait pu perdre connaissance d'abord en raison de l'intoxication à la cocaïne, ou encore elle aurait pu faire une crise cardiaque et ensuite se noyer. T'sais. 31 janvier 2015, sa fille Bobby Christina est retrouvée inconsciente dans sa baignoire dans des circonstances similaires que sa maman, qui est décédée 3 ans plus tôt. Elle reste plongée dans un profond coma pendant 6 mois. Elle meurt finalement de son overdose et d'une pneumonie le 26 juillet 2015. Elle n'avait seulement que 22 ans. Elle avait toute l'année de la vie devant elle. C'est fou, hein? Puis à la fin de 2022, un film sur sa vie est sorti, intitulé Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. C'est Naomi Haki qui joue le rôle de la célèbre chanteuse. L'as-tu vu? Moi, j'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu, malheureusement. Ça a l'air que c'est très bon. J'imagine qu'il est excellent. Puis, tu sais, en finissant, tu sais, en lisant tous ses mémoires, puis tout ça, tu sais, je me demande, tu sais, si elle n'avait pas des marques de X, Y, Z sur elle. Tu sais, des fois, je me demande si, tu sais, ça aurait, tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, cher auditeur, mais on avait fait le club des 27, puis on a parlé de Marilyn Monroe aussi, tu sais, qui aurait pu éventuellement peut-être être intoxiqué ou whatever, tu sais. Qui dit pas que, genre, c'est pas quelqu'un qui est arrivé puis qui a crissé tout ça dans la gueule puis qui l'a noyé. Attends, elle dérangeait trop de monde puis ils ont décidé de s'en débarrasser. C'est juste une hypothèse, là. Je suis pas personne de meurtrier, c'est pas ça. Non, du tout. Des hypothèses, je pars en peur, mais tu sais. T'sais, on parlait d'Aretha Franklin qui n'était pas là. T'sais. Elle a-tu un lien? On ne sait pas. On ne sait pas jamais. Ouais, ben, elle est décédée, Aretha Franklin. C'est ça. T'sais. Puis t'sais, on avait parlé aussi qu'il y avait un des membres des Rolling Stones à un moment donné qui était décédé. Ouais, dans le 2007, ouais. Et il y avait un des membres
un autre membre, je pense que c'est Mick Jagger qui s'était pas pointé au funérailles. Tu sais, des fois, c'est louche un peu, là, tu sais. Des fois, je me demande s'il y a pas, dans ce milieu-là, un cercle de jalousie, puis qu'à un moment donné, la personne devient comme trop célèbre, puis là, il faut en mettre fin, là. C'est le temps qu'il y a... plusieurs raisons pour se pointer. Il y en a des fois qui sont vraiment pas capables d'aller là. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Fait que, tu sais, c'est juste des hypothèses, puis en même temps, ben, tu sais, ça nous laisse un petit peu dans l'interrogation à savoir est-ce que on sait pas, on saura jamais vraiment la vraie réalité de tout ça. T'sais, c'est comme Michael Jackson, son décès. Elvis. Il y en a plusieurs qui disent que Michael Jackson n'est pas mort, puis il y a des vidéos qui circulent, tout ça. On le saura jamais. Bref, c'est moi, tu me reconnais pas. Oui, avec un. Le Moon Dance, moi, ça. Ouais. Le Moon Dance. Moonwalk. Le Moonwalk. Moon Dance, Moonwalk. Le Moon Dance, c'est parce que le I wanna dance with somebody, ça t'a mêlé. non, mais Moon Dance, c'est quoi? C'est tu te montes les fesses puis tu fais une danse. Hein? C'est ça. Exact. Alors, c'est ici que se termine notre émission spéciale sur la défunte Whitney Houston. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce moment de détente avec Benoît Laferrère qui est Nostradaben et Jonathan Hotshow, Josh Ryan, Drapeau. Hey, puis c'était genre la première émission sur la musique depuis genre un an. Là. Ouais. Désolé si on vous a étiré ça un peu. Là, on a beaucoup de choses à faire. Puis on essaie de faire on fait nos recherches, on essaie de sortir ce qu'on peut quand on peut. Et puis, c'est sûr que des fois, ça vire à 180 degrés quand on a des opportunités, on essaie de sauter dessus. Alors, on vous souhaite une belle journée. J'espère que vous l'avez apprécié. Et puis, c'est un rendez-vous très prochainement. On se retrouve très bientôt. L'action ne manquera pas. Au revoir.